Bonjour, je m'appelle Carmen Lansdowne et je suis pasteur et modératrice de l'Église unie du Canada. Le samedi 30 septembre, nous observons la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Nous honorons le parcours de guérison des survivantes et des survivants de l'expérience des pensionnats autochtones et de leurs familles. Et nous leur rendons témoignage, en plus de rappeler à notre mémoire toutes celles et tous ceux qui ne sont jamais rentrés à la maison. Phyllis Webstad, fondatrice et ambassadrice de la Journée du chandail orange, est une survivante des pensionnats et une chef de communauté qui, sans relâche, travaille à faire connaître le mouvement Chaque enfant compte. En racontant le récit des effets intergénérationnels qu'a engendré l'expérience des pensionnats sur les personnes, les familles et les communautés. La journée du chandail orange n'est pas une journée de célébration ni de fête. Il s'agit d'une journée pour réfléchir, apprendre et prier par rapport à l'impact continu des politiques et de la gouvernance coloniale au sein de ce que nous appelons maintenant le Canada. Que vous ayez fréquenté un de ces établissements ou que vous soyez comme moi, petite fille d'un survivant, affecté par le traumatisme intergénérationnel qu'ils ont engendré, ou encore que vous soyez un parent à qui on a enlevé un enfant, ou une personne à qui on a enseigné une fausse histoire du Canada. La journée du chandail orange porte le message que chaque enfant compte. Les pensionnats autochtones ont existé au Canada des années 1870 aux années 1990. Le dernier pensionnat autochtone a fermé ses portes en 1996. Entre 1925 et 1979, l'Église unie du Canada a géré un total de 15 établissements sous le régime de la loi sur les Indiens, prenant ainsi part à la politique d'assimilation des peuples autochtones du gouvernement fédéral. Le comité de direction mixte des chefs héréditaires, ainsi que le chef et les conseillers élus dans la nation Heiltsuk, ne réclament pas la réconciliation, mais plutôt un concept que nous appelons dans notre langue « Hilsistud », qui signifie « se retourner et réparer le tort causé ». Il ne s'agit pas d'une réconciliation entre deux groupes qui se sont fait du tort mutuellement, mais de responsabiliser les personnes allochtones pour le tort causé aux personnes autochtones au nom de l'Église, au nom de la Couronne et en tant que société ayant élevé au rang de norme sociale le fait d'être blanc, chrétienne et d'ascendance européenne. Notre Église, comme d'autres, a géré des pensionnats et chaque membre de l'Église unie du Canada a la responsabilité de se renseigner sur l'héritage tragique et pénible de ces établissements et sur leurs impacts qui se font encore sentir par les peuples autochtones partout au pays. Les enfants qui ont séjourné dans ces établissements ont enduré des sévices physiques, sexuels, psychologiques, spirituels et culturels. C'est en raison de ces mauvais traitements qu'a été établie la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, dont Commission de vérité et réconciliation du Canada est un rejeton. Les appels à l'action formulés dans le rapport final de la Commission indiquent clairement le long chemin qu'il reste à faire pour réparer les torts causés. Des politiques racistes ou coloniales continue de désavantager les familles et les enfants autochtones. Elle se manifeste par un financement inéquitable de l'éducation des jeunes autochtones et par la persistance d'injustices découlant de la loi sur le bien-être des enfants autochtones. Le 30 septembre, mais également tous les jours, nous devons nous rappeler que chaque enfant compte. Un moyen efficace de montrer de façon proactive aux jeunes autochtones qu'ils comptent, c'est d'investir dans le programme Wasse-Abin. Ce programme remet chaque année des bourses d'études postsecondaires
à des étudiantes et des étudiants autochtones de 18 à 29 ans qui excellent dans leurs études et présentent des besoins financiers. Veuillez vous joindre à moi et à des millions d'autres autochtones et allochtones pour prendre le temps de réfléchir, de prier et d'agir en cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Wallace Gaesra, chaque enfant compte.